Je play Tryhard, toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur Call of Duty Modern Warfare et Warzone. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo avec la MP5. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à la MP5. Je sais que beaucoup de gens utilisent la méta gros MP5, mais la dernière fois que j'ai joué à la MP5, c'était il y a un mois et demi de cela. Donc je me suis dit, c'était le moment de rejouer avec cette arme là et de me faire plaisir. Évidemment, quand je parle de méta, je parle de jouer avec la Gro 5.56, étant donné que la MP5 tout seul, vous ne pourrez pas faire grand chose. Elle est très bien au corps à corps, c'est une des meilleures armes au corps à corps avec la Fennec, mais il faut quand même être capable de réaliser de long shots et la combinaison Gro MP5 est clairement la meilleure. Mais avant d'attaquer la best class setup, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer la petite cloche de notification pour rater aucune des prochaines vidéos. On est là pour des tutos best class setup pour claquer des gameplays, des plus de 20 kills sur Warzone, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, défonce-moi, martyrise-moi cette barre de like. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a tapé un plus de 20 kills en solo vs solo. Alors je dirais pas combien, parce que je vais vous laisser jusqu'à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez vous rendre compte d'une petite dinguerie qui m'est arrivée aujourd'hui. Donc tu connais l'objectif, plus de 2000 likes en moins de 24 heures, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça permet de soutenir la chaîne, etc. Et ça nous aide vraiment en tant que youtubeur. Bon, maintenant je vais pouvoir directement attaquer la best class setup. On attaque donc en priorité par le silencieux intégral monolithique. Silencieux plus vitesse des balles, c'est parfait. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment le truc qu'il faut absolument mettre. Éventuellement le silencieux intégral subnautique, les gens le mettent, je le recommande absolument pas. Ça en vaut clairement pas la peine. Accessoire de canon, on va mettre la poignée avant de mercenaires. Niveau des munitions, je vais mettre le chargeur de 30 cartouches, étant donné que j'ai cherché énormément le corps à corps et tout ce qui est long shot plus l'aggro. C'est un peu normal, étant donné que c'est vraiment l'arme qui va faire extrêmement mal au corps à corps. Niveau du laser, je mets le laser tactique. Et pour terminer, je mets soit donc le tour de passe-passe si je suis en groupe, comme ça, ça me permet d'enchaîner plus facilement les adversaires. Là, lors du gameplay, c'est avec ça. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez mettre la poignée pointillée, qui est quand même très très utile là-dessus. Après, au niveau de la méta, c'est toujours la même chose. Je joue donc avec l'aggro des mineurs, surarmement, tracker, C4 et ensuite capteur cardiaque. Et au fur et à mesure du temps, si je peux obtenir évidemment un deuxième largage et ravitaillement, je vais prendre une classe avec fantôme. Let's go. C'est parti. Il y a déjà du fight là. Il y a une porte qui a été ouverte. Viens ici, viens ici. Let's go, premier kill. On sait qu'il y a du monde au top. C'est parti, deuxième kill. On sait qu'il y a pas mal de monde dans le coin. Parfait. On n'a plus de plaque. Let's go. Je vous cache pas que je l'ai un peu attendu, mais bon, j'ai pas de plaque, j'ai rien du tout. Et dans le doute, je préfère très clairement survivre, vu que je ne possède absolument plus rien. Il me faudrait un petit capteur cardiaque. Et on est good. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre un drone. On va prendre deux drones, et puis let's go. Ah, appareil de reconnaissance, activité à proximité. Mais comment ça à proximité là? Je vois rien du tout. Envoyez-nous un appareil de reconnaissance. Ok, donc il y a encore du monde sur Superstore. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle les amis. Et les deux sont en train de se regarder depuis tout à l'heure. Je sais pas qu'est-ce qu'il cherche à faire. Attention. On a besoin de visuel. Envoyez.
Ok. Ok, let's go. 7 kills. Il y a un mec en bas et un... Ah ok, les deux vont être en hauteur. Là, je vous avoue que c'est un poil plus complexe. Ok, mort. 8 kills. Courbi qu'on recharge. Appareil de reconnaissance dans le coin. C'était le même mec qu'avant. On va essayer de vite aller le chercher. Lui, il avait déjà pas mal de classe. Oula, ouais, c'était pas terrible là. C'est pas terrible du tout celui-là. Par contre, j'aurais dû éventuellement prendre. Dis-moi juste que t'avais un capteur. C'est tout ce que je veux. Ok, un drone. Ça, c'est très bien. Tac, tac. Allez, hop. Il y a certains dans ce monde, ils sont un peu. Il est où? Mais qu'est-ce que tu fous? Ils sont... Il y en a certains mecs, ils sont bizarres. Hein. On va reprendre un drone. Et on va les prendre directement notre classe gros MP5. Oui, parce qu'en fait, je vais jouer à la gros et à la MP5. Et vous êtes obligé de jouer ainsi, étant donné que la MP5 est une bonne arme. Ça, on le sait tous. C'est une très bonne arme. Mais vous êtes obligé de jouer un peu avec la gros, tout ce qui est long shot, quoi. Une MP5 ou une MP7, bah voilà, quoi. Je veux dire, la MP7 est beaucoup plus polyvalente que peut l'être. Une MP7. Voilà, let's go. Surtout que je dois faire gaffe parce que j'ai pas fantôme en fait avec cette classe là, vu que je joue en surarmement avec MP5 et gros. Mauvais délire. Très mauvais délire cette histoire. Dommage que ce soit pas la braderie. J'ai repris full drone. Je pense que la braderie c'est pour bientôt. Non, c'est à partir de la manche 3, si je dis pas de bêtises. Un kilomètre à pied, ça use, un kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. Quoi, tu vas pas me dire que j'ai le temps de faire un 3 kilomètres. Ah non, c'est ok, d'accord. J'ai eu peur pendant 2 secondes. Vas-y, allez, prends, hop. Ok, parfait. Éliminez-moi ces enfoirés. Non, soit. Mais je suis à lui. Non, mais je vais pas me faire goulaguette en fait, je t'explique. Je me ferai pas goulaguette. Allez, prends, on n'a pas le temps de jouer en fait le jeu. Et en plus, il a pris ma MP5. Il a pris mon capteur, ma MP5. Il a pris tout ce qu'il fallait pas. Ok, un mort.
Ok, c'est parti. Allez, redonne-moi ma MP5, frérot. Voilà. Parfait. On va quand même prendre le contrat au top. J'aurai le temps de m'enfuir. Et c'est reparti. 1 km à pied, ça use, 1 km à pied, ça use les souliers. 2 km à pied, ça use, 2 km à pied, ça use les souliers. Et ben voilà, le premier coup c'est facile. Allez hop. Prends. La cible est là-bas. Aïe aïe aïe. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup tout contourner. Ok, parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre la cible. Éventuellement déjà sortir le drone. Ouais, le truc, c'est qu'on le voit même pas. C'est problématique tout ça. Alors, je sais pas s'il est au top ou s'il est à mon étage. Genre ici, j'ai plus l'impression qu'il est au top. Ok, let's go. Là, on négocie pas, on prend pas du tout la MP5 à partir de cette distance. Hein, je vous le dis tout de suite. Il faut rester quand même, on va dire, un peu logique dans nos déplacements. Mais éviter de prendre la MP5 pour ce genre de distance. Hein. On sait que quelqu'un doit venir. Alors je sais pas s'il va venir de la droite ou tout droit, etc. On va quand même faire un peu attention. Qui est à terre? On va essayer de récupérer un peu de loot. Pour le moment, il n'y a absolument plus personne. Ok, toi t'es mort. Okay, c'est parfait. Un drone. Oh oh, il y a encore quelqu'un en bas. Ok, parfait. On va aller le chase. On va juste faire un peu attention parce que les environs sont un peu traîtres ici. Ok, let's go. C'est juste de voir où il est. Ok, il est de ce côté. On sait qu'il y a encore du monde là. Il a failli me la mettre, hein. Allez. On respire un petit coup. On a 19 kills. Dites-vous que là, il pose des charges de C4. Let's go. Un kill. Vingt kills, les bros. Oula.
Ça commence à devenir chaud cette histoire. Bon, quoique, maintenant, on a quand même un petit shop à côté. Alors, juste faire un peu gaffe. Tu vois, pour ce genre d'énergumène. Let's go, 21. Ok, donc il y a du monde ici. On va juste faire bien attention. Je vous avoue que j'ai aucune confiance. Dans le doute, on balance. On sait que du monde doit venir là. Je sais que jouer à l'aggro là, mais j'ai vraiment pas le choix en fait. Et dans certaines situations, vous êtes clairement obligé de jouer à l'aggro, comme j'essaie de le dire. Il y a moyen de faire un gros truc là. Il y a moyen. Enfin, le problème, c'est où est-ce qu'ils vont aller. C'est la grande question. Ah, il y a des tirs là-bas. Tu te fous de ma gueule. Non, tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, là. Tu te fous de ma gueule. Non. Non, mais mec, tu te... J'ai à 21 kills. Je peux taper 23-24 kills. Mais non! Je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Impossible d'accéder au service en ligne. Incroyable. Par contre, dès que je vais me reconnecter, il y aura zéro problème. Bon, bah écoute, si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bah n'hésite pas à mettre un hashtag pas de bol.